Et salut à tous, et ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Et tout d'abord, une excellente année à tous, bonne année, car la dernière fois j'avais tourné la vidéo un peu en avance le dimanche, et puis donc celle-là c'est vraiment la première de l'année pour ma part. Et donc, eh bien, avec Raceroom Racing Experience, vraiment un jeu qui m'était quasiment inconnu pour ma part et que j'ai découvert pendant mes petits jours de repos pendant les fêtes de fin d'année, où j'ai tout simplement pu contempler et télécharger ce jeu et vraiment en sortir vraiment très content. Alors c'est vrai que c'est un jeu qui est gratuit à la base, et notamment avec des voitures pas non plus des masses hein, sur le contenu de base, et seulement deux circuits. Donc j'ai téléchargé le pack course de côte hein, qui comprend donc quelques voitures assez légendaires hein, notamment pas mal de BMW et également une Carlson SLK. Eh bien, je me suis vraiment régalé sur deux tracés, donc notamment celui-là, hein, un tracé français qui reprendrait un peu les Alpes, hein, l'arrière-pays même du côté de chez moi. Avec donc, j'ai pris plusieurs voitures pour vous montrer et donc pour vous prouver que ce jeu est certainement l'une des meilleures simulations automobiles. Donc avec également la Formule Raceroom qui a fait son apparition il y a très peu de temps, hein. Ce sont ni plus ni moins que des GP2 un peu à l'ancienne, sans Z, sans DRS ou sans KERS, simplement des GP2 avec des sponsors connus hein, tels que Red Bull, hein, tels que GoPro, Samsung également. Et donc, excusez-moi, un GP2 à l'ancienne, hein, un peu comme on avait l'habitude de voir à l'époque où Lewis Hamilton faisait encore partie du plateau. Et donc, eh bien, sur la course de côte, il est possible de tout piloter. Moi qui suis fan de course de côte, qui est avec mes parents allé dans toutes les courses de côte du coin quand j'étais plus jeune, eh bien, c'est avec, franchement, avec passion et avec un recul agréable que j'ai pu vraiment jouer à Raceroom sur les séries, donc course de côte. Et donc, eh bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer le GP2 hein, qui fait son arrivée. C'est vrai qu'à l'époque, en course de côte, il y avait les Formules 3000. Il y en a toujours avec les Reynard 92D ou 94D. Mais un certain David Hausen a tout simplement mis du GP2 en course de côte, et notamment en championnat d'Europe. Et donc, du coup, eh bien, piloter une GP2 sur une course de côte, c'est absolument génial. Et puis également avec la toute première voiture hein, que j'ai pilotée là, au début de la vidéo, qui rappelle qu'il y a un prototype du Mans, hein, mais on sait que maintenant en course de côte, eh bien, ce n'est plus les monoplaces hein, qui dominent clairement les débats, ce sont plutôt les barquettes de type Norma ou Osella, avec énormément d'appui au sol, et c'est elles qui à l'époque étaient derrière les Reynard et tout ce qui était Formule 3000, eh bien, qui sont aujourd'hui tout simplement devant les GP2 de David Hausen. Donc c'est vraiment la donne a vraiment changé en course de côte. Et c'est vrai que c'est une discipline quand même qui fait partie aussi de la FIA, hein, notamment le championnat d'Europe, où on a vraiment vous pouvez le voir sur YouTube avec des vidéos vraiment impressionnantes, il y a des gens qui montent avec des voitures absolument incroyables. C'est un sport à risque aussi, hein. On sait que Lionel Régal, hein, qui était l'un des plus grands de ce sport en France, s'est tué au volant de sa Reynard à Saint-Ursanne en Suisse, hein, sur l'épreuve du championnat d'Europe. À seulement 35 ans, donc c'est vraiment une épreuve impardonnable à montagne, hein. C'est vrai qu'il y a certes les rails sur les côtés, mais bon, il y a les arbres aussi, et c'est ce qui avait été fatal à ce certain Lionel Régal. Donc avec aussi la BMW 320D par exemple, 320 turbo, pardon, diesel, c'est un peu abusé, qui fait également partie du contenu Alpine, donc course de côte, une voiture absolument terrible, sensationnel, qui fait froid dans le dos avec, je vais en parler après, un son absolument exceptionnel. Alors faut pas être un adepte de l'écrasement de la pédale du G27, parce que sinon c'est le tête à queue assuré, notamment avec cette BMW, mais aussi avec le GP2 et la Carlson que vous avez vu juste avant avec le moteur Jude. C'est un jeu vraiment typé simulation. Alors c'est vrai que quand on part de Forza ou de tous ces jeux qui sont multiplateformes, tel que Project Cars, c'est encore différent, mais ce Raceroom Experience, j'ai même appris en le découvrant et en me penchant dessus ces derniers jours, eh bien, qu'il y avait des pilotes qui s'entraînaient dessus sur simulateur. Donc c'est vrai que les graphismes ne sont pas exceptionnels, ils sont beaux par rapport à Air Factor, qui est pour moi un très gros défaut, car on sait aujourd'hui que les machines peuvent tourner avec des moteurs graphiques absolument énormes.
Et c'est vrai que je trouve que Air Factor, que ce soit le 1 ou le 2, malgré son contenu absolument phénoménal, ne propose pas, à proprement parler, des graphismes parfaits. Et moi, voilà, je trouve ça pas ça exceptionnel. Alors qu'entre parenthèses, on va juste jeter un coup d'œil aux réglages. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même assez poussés, hein, un peu à l'image de toutes les simulations auto qu'on connaît, que ça soit Assetto Corsa, que ça soit Air Factor ou que ça soit Project Cars. Ce Race Room ne déroge pas à la règle, avec énormément de possibilités de réglages. Alors, pour l'instant, je n'ai absolument touché à rien. J'ai juste réglé la direction, parce que pour régler l'angle de braquage sur certains véhicules, surtout quand vous faites de la course de côte pour passer dans les épingles, le GP2, si vous ne réglez pas la direction, eh bien, il ne pourra pas tout simplement passer. Vous ne pourrez pas braquer, un peu comme les Formule 1 quand elles sont à Monaco. Donc voilà pour la course de côte. On va passer à l'épreuve de course, donc avec donc ce magnifique tracé qui on dirait pareil dans les Alpes de Haute-Provence. C'est le tracé Race Room avec un circuit absolument factice. Eh bien, que j'ai trouvé d'ailleurs très très beau et très très plaisant. Et donc c'est vrai que Secteur 3, donc, qui est une entreprise basée donc, à Bucarest, eh bien, propose un jeu quand même assez intéressant. Alors c'est un jeu qui est gratuit, tout simplement à la base sur Steam, avec donc, comme je vous l'ai dit, avec deux circuits et puis quelques véhicules. Et puis après vous avez des add-ons payants, bien entendu, à chaque fois, hein, il faut récompenser le travail des développeurs, c'est normal. C'est pas comme Forza où vous l'achetez 60€, je parle du 5, hein, et puis qu'après il fallait tout acheter encore et ça revenait quand même assez cher. Là le jeu est gratuit. Donc le pack Formule 2 2.0, donc qui est, je vais appeler ça le GP2 à l'ancienne, eh bien vaut 3,25€. Donc il est sans circuit celui-là. Après vous avez des packs tels que le DTM ou tels que le WTCC qui eux sont payants aux alentours de 10-12€ et vous débloquez d'ailleurs tout le plateau avec toutes les voitures et toutes les livrées ainsi que la plupart des circuits du calendrier. Donc c'est vraiment quelque chose que je reprochais à Forza par exemple qui lui n'explore pas tout ça et au même titre que Project Cars par exemple. Et bien là on a vraiment donc un jeu tourné vraiment 100% simulation, et si vous voulez vous faire une saison de DTM ou de WTCC, ça sera possible. Donc là sur le GP2, donc qui n'en est pas, hein, du GP2, ça sera possible également de vous créer quasiment la plupart du calendrier de cette année par exemple, hein, avec des pilotes également factices et des sponsors factices, parce que on le sait, c'est vrai que la simulation auto a besoin de droits. Et c'est jamais évident, hein. Vous prenez par exemple un constructeur comme Porsche, il est très rare que vous voyez une Porsche dans un jeu vidéo. Elle sera souvent tournée sous le nom de RUF, hein, R-U-F, parce que Porsche ne donne pas les droits à chaque fois. Même sur des licences telles que Forza, qui sont vraiment assez solides et costauds, vous n'avez pas de Porsche à l'intérieur. Horizon avait fait une mise à jour très tard en ayant les droits vraiment au dernier moment. Donc là, sur ce Race Room, il y a pas mal de licences, et beaucoup plus d'ailleurs que sur Project Cars, hein, à sa sortie, où c'était un peu ce que je reprochais aussi à Project Cars, c'est qu'il manquait cruellement de sponsors. Et puis là, vous le voyez, par exemple, avec Red Bull, Total, Pirelli également, on a vraiment du sponsor, on a vraiment des Race Room à bosser sur les droits. Et puis le plateau de GP2, il y a quand même GoPro, il y a Samsung, il y a Castrol, on le verra après, avec des super livrées. Vraiment des livrées très très belles. Et donc du coup, avec, vous le voyez, le tableau de bord ici qui permet de visualiser tout ce que font les pilotes. Et c'est là que je vais en venir. Écoutez le son des voitures. Et quand on a assisté, comme Angel et moi-même, à Monaco, aux essais libres de GP2, le son est retranscrit absolument pareil sur Race Room, et je n'ai jamais entendu ça dans un jeu vidéo. F1 qui est spécialiste avec Codemaster, qui nous propose donc cette série depuis des années, même le son n'est pas retranscrit aussi bien que sur Race Room. Et moi qui ai eu de ma chair et tendre pour ce Noël une Harman Kardon, une enceinte portative, je me la place derrière le siège en jouant. C'est absolument phénoménal. Franchement, c'est à avoir la chair de poule. Le son est incroyable. Surtout avec les GP2, c'est vraiment le sommet. Mais alors, faire une course de côte avec la BMW 320 des années 80, c'est phénoménal. Franchement, le son, c'est le gros point fort de ce Race Room. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ils ont surclassé absolument tous les autres à ce niveau-là. J'avais essayé Air Factor, j'avais essayé Assetto Corsa, Project Cars, Forza, pour ne citer que, eh bien c'est vraiment Race Room qui est au-dessus du lot, il n'y a rien à dire. Au niveau de la conduite, c'est super plaisant également. J'ai préféré Race Room à Project Cars, que ce soit en tout et pour tout.
La conduite est très compliquée, elle est très pointue. Il faut faire plusieurs tours pour s'entraîner et vraiment avoir un bon feeling avec la voiture que vous conduisez. Il y a un feeling différent à avoir sur la plupart des voitures, hein, que ce soit sur les BMW, sur les prototypes du Mans. C'est vraiment différent à chaque fois. On sent sur les BMW vraiment la propulsion et la puissance de la voiture, chose que je n'ai jamais ressentie par le passé également. Parce que cette BMW 320 est liée dans le projet de Cars également, et je n'ai pas ressenti la même chose avec en la conduisant. Donc vraiment sur Race Room, c'est beaucoup plus plaisant. Vous l'avez vu, les réglages qu'ils ont énormément poussé. Donc ça en est très agréable également. Hein. Après, vous allez un peu sur le Race Département de fouiller. C'est vrai que la communauté de Race Room est un peu plus faible que sur les autres jeux. Alors que vous voyez les livrets, hein, on va les voir ensemble, notamment avec Sparco, avec GoPro, avec JVC, Tissot, vous avez vu sur la voiture, sur le JVC, Schaeffler, ça ne me dit rien, Dutch Post, Puma, Ice Watch aussi également, et puis avec Castrol aussi, la livrée Castrol que je trouve très très belle, et Kingfisher donc, hein, qui reprend le sponsor de Force India. Donc voilà, donc je disais les réglages qui sont très poussés avec ce Race Department. Vous pouvez le voir, il y a quand même une communauté intéressante, même si elle n'est pas très grosse, où vous pourrez toujours avoir les réglages. Hein. Par contre, niveau mods, il n'y en a pas du tout pour l'instant. Ça reste très faible, hein, puisque c'est un jeu qui a été en bêta très longtemps et puis qui est sorti. Puis c'est un jeu au même titre que tout ce qui se fait maintenant, hein, tel que je vais encore prendre l'exemple de Project Cars, mais qui évolue avec le temps. Hein. On sait que Project Cars avait un contenu très faible à sa sortie, puis un contenu qui évolue aujourd'hui gratuitement, heureusement, avec le pack Chronosport qui est le dernier en date. Et bien là, vous avez un jeu clairement à la demande. Alors moi, j'aime beaucoup ça, sur le simple fait que vous pouvez justement acheter ce que vous voulez. Il y a des circuits qui ne vous servent pas, hein, faut pas se voler la face. Dans plein de jeux, il y a énormément de circuits et vous n'allez pas tous les faire. Là, il y a la possibilité d'acheter le circuit que vous voulez à un prix vraiment dérisoire, ou de choisir la catégorie que vous voulez à également un prix vraiment dérisoire. Donc tout ça, après, à faire un jeu à la demande, et puis si vous voulez tout le jeu, il en coûte 60€. Donc je veux dire, voilà, c'est pas non plus le bout du monde pour avoir vraiment un jeu, une simulation auto qui atteint presque quasiment la perfection. Avec énormément de circuits, je ne vous les ai pas montrés, je vous les montrerai sûrement une prochaine fois. Donc vraiment un contenu vraiment très intéressant à acheter, certes, mais vraiment très intéressant. Il y a énormément de livrets aussi, pas la peine de toutes les posséder, hein. S'il y en a une qui vous plaît, il est possible de l'acheter, ou alors elle est inclue dans un pack. Donc c'est intéressant parce que le jeu est gratuit à la base, hein, je le répète. C'est vrai que si vous payez le jeu 60€ et vous êtes obligé de faire ça à chaque fois, je comprends que c'est un peu du vol, mais là le jeu est gratuit, il est en téléchargement gratuit sur Steam, inscription, donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. La taille des week-ends est absolument géniale aussi, puisque vous avez la possibilité donc de tout créer, hein. Par contre, je crois pas qu'il y ait les conditions météo, mais vous pourrez choisir l'heure du jour, la nuit, le crépuscule, l'aube, tout créer de toutes pièces, hein, comme je l'ai dit, et c'est ce que j'adore justement. Tout créer de toutes pièces une course, c'est absolument génial, avec bon nombre de participants, et en choisissant tout simplement la catégorie dans laquelle vous voulez courir et qui n'est pas une mixité de plusieurs voitures sur la piste. Donc là, j'ai créé une course de GP2, voilà, vous avez tout le plateau GP2 qui est présent, c'est génial, avec la possibilité de créer un championnat. Alors que là, vous le voyez, dès que vous vous déconcentrez un tout petit peu, eh bien c'est vrai que la pédale d'accélérateur est relativement très sensible, et puis eh bien c'est le tête à queue, avec bien entendu gestion des dégâts, gestion de l'essence, et casse mécanique également. Donc tout ça est possible, donc avec la voie des stands qui est ouverte. Et donc j'ai trouvé également beaucoup de réalisme, notamment au niveau aussi de la course de côte. Et ça m'a rappelé des vieux souvenirs, tout ça, avec le speaker qui est sur place et qui donne le classement. J'ai trouvé ça très original, c'est un tout petit détail, mais ça fait pas mal la différence, et je trouve ça vraiment très sympa. Sur ce Race Room qui est donc un vrai coup de cœur pour moi, je pense que je vais aller un peu plus loin, et donc j'ai pris le pack DTM et WTCC. Et je pense que, car vous le savez, que donc en ce moment j'ai un petit souci sur F1, je m'en suis chargé ce jour même de tout réinstaller F1, donc ça devrait marcher en principe.
eh bien, je vais reprendre donc ma saison qui se déroule le dimanche. Et puis, pour le mercredi, en ce début d'année, il est possible qu'il y ait soit du DTM, soit du WTCC. Alors, je pense que ça sera un vote que je lancerai sur la page Facebook. Et ça sera tout simplement, même sûrement, à vous de choisir quel sera mon prochain défi donc en championnat, donc en parallèle de la F1. Je ne vous propose pas le GP2 tout simplement parce que bon, ça reste de la monoplace. Et je ne pense pas proposer non plus du Mans, hein, par exemple, avec des protos LMP1. Donc ça restera à voir, j'en déciderai un peu plus tard. Je vais aussi en parler avec Angel et puis lancer ce vote dès que ma saison sur F1 2015 reprendra. Nous en reparlerons. Donc après, avec des défis également sur ce Race Room, notamment au niveau des compétitions. Hein, donc il y a des compétitions qui sont lancées toutes les semaines. Vous pouvez y participer. Il y en a pas mal. En ce moment, il y en a 11 par exemple, avec pas de course de côte, mais il y a du DTM, il y a du WTCC. Enfin, il y a énormément d'épreuves, énormément de catégories de véhicules sur ce Race Room, avec aussi la DAC, hein, avec les Blancpain Series. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un très très large choix. Et il y en aura vraiment pour tous les goûts. Donc vous le voyez, hein, les courses qui sont... Bon là, j'ai mis l'IA adaptative et c'était vraiment pas le mieux. Hein, l'IA qui peut être réglée toujours plus haut. Mais là, c'est vrai que j'avais essayé l'IA adaptative et puis j'ai mis un sacré trou à l'IA pour le coup. Donc elle était un peu trop faible sur cette épreuve-là. Mais donc j'ai réessayé après et vous avez vraiment une IA très combative. Et vous ne serez pas déçu au même titre que l'IA de chez Codemasters par exemple sur F1 qui est absolument nulle. Ou alors une IA que je trouve pas géniale non plus dans Project Cars. J'ai trouvé l'IA de ce Race Room fort sympathique. Donc cette vidéo va toucher à son terme. J'espère déjà que ça vous aura plu. Il y a encore plein de choses à dire sur ce Race Room. Mais pour moi, c'est un vrai coup de cœur. J'ai joué à pas mal de jeux vidéo de course auto depuis pas mal de temps. Et puis, bien celui-là, il restera vraiment marqué en moi. C'est vraiment un super jeu, notamment avec le G27 qui est un peu vieillissant. J'ai pris beaucoup de plaisir à conduire ici, notamment sur ce tracé et également en course de côte avec un peu d'entraînement. Il y a eu une coupure de courant chez moi, donc la vidéo n'ira pas à son terme, notamment, enfin la vidéo oui, mais pas la course, car en plein milieu, il y a eu, je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison, donc du coup, la course va se terminer donc à 3 minutes de l'arrivée. Donc moi je vous dis à très vite pour se retrouver sur F1 2015. En attendant, bon début d'année à tous, allez à bientôt.